ce vieux taille-crayon à assez taillé. Utilise la partie transparente de l'un et la partie souple de l'autre. Colle une autre partie. Recouvre-la de papier mat. Maintenant, on va ajouter un écran et des boutons. Cette télé est vieille, mais elle capte Lalilou si on la frappe bien. Daffy et Lola sont montés au grenier pour trouver quelque chose d'intéressant. Bouh ! Hein ? Lola, fais pas ça ! J'ai failli faire tomber les clés. Regarde, je peux rebondir ici autant que je veux. Regardons plutôt tous ces trucs. Tout a l'air trop cool. Hey ! Ils ont trouvé une vieille télé. Wow ! Et si on tentait de l'allumer ? Ouais ! Daffy tourne les boutons et la télé commence à siffler. Oh, aouh ! Éteins-la tout de suite ! Mais en tournant un autre bouton, la télé a commencé à diffuser une vidéo de Lalilou sur Space Jam. Wow. Coïncidence ? Je sais pas. Daffy et Lola regardent toute la vidéo. Et puis, les lumières commencent à clignoter. C'est parti ! On a fait une toute petite Lola en argile. Peins sa fourrure. Dessine ses yeux et son visage. Elle a une frange et un uniforme bleu. Waouh, c'est vraiment Lola Bunny! Lola et Daffy avaient trop peur. Mais quand ils sont rallumés, quelque chose était différent. Mini Lola était devant l'écran. Regarde, c'est toi! Tiens! Lola est tellement secouée. Oh. Elle ressemble exactement à elle! Merci le grenier! Daffy a attrapé la télé magique quand ils sont partis. Quand Lola est rentrée chez elle, elle a montré sa chambre à sa poupée. Bienvenue à la maison! Tu veux danser? Je crois que je vais faire un TikTok. Mes followers vont adorer! Hi. Regarde ce que la télé magique m'a donné! Oh. Lola a parlé longtemps de sa poupée et s'est endormie. Redresse un ressort. Puis coupe-le et plie-le pour en faire un cadre. Voici le corps. Et la tête. Ajoute un bec et des mains. On va le faire cuire. Maintenant que l'argile est durcie, on peut la peindre. Le corps de Daffy est noir. Ses pattes et son bec sont orange. Dessine ses yeux. Mini Daffy, t'adorable. Daffy se promène avec du café. Mais il aperçoit alors un vaisseau spatial. Oh, c'est mon vieux pote, Marvin le Martien. Hi. Content de te voir. Quoi de neuf, petit gars? Marvin menace Daffy avec son blaster. Mais Daffy se contente de lui rire au nez. Relax, mec. Prends un café. Marvin tire et... Waouh! Daffy devient tout petit. Alors, c'est qui est petit maintenant? Daffy se met à courir. Mais Marvin l'attrape. Bugs arrive à la rescousse. Arrête, laisse-le tranquille. Marvin tire à nouveau, mais la balle se reflète sur lui. Daffy, t'es où? Daffy s'est précipité vers lui. Waouh, t'es tout petit maintenant! Prends un morceau d'argile polymère. Fais une figurine de Bugs Bunny. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Peins-le en gris et en blanc. Swish! Voici sa drôle de tête. Et ses oreilles roses. Parfait! Lola passe tout son temps dans son atelier de sculpture. Elle adore fabriquer des jouets en argile. Hello. Qu'est-ce que tu fais? Une sculpture? Regarde, je commence une nouvelle pièce en ce moment même.
J'ai une idée. Et si tu me sculptais? Ouh. Mmh. Ouais, je peux essayer. Bah, ça me ressemble pas. Attends. Oh. Maintenant, regarde. Doug s'est totalement émerveillé. C'est parfait. Lola, t'es incroyable, t'as fait un chef-d'œuvre. Hihi, fais-moi confiance la prochaine fois. Du papier mousse? Voilà. Un modèle d'épée? Oui, voilà. Colle-le sur le papier mousse. Et c'est bon. Elle est coincée dans une pierre. Seul un vrai héros sera capable de la retirer. Daffy et Bug sont venus dans une grotte de glace pour trouver l'épée magique. Oh my! Mais un monstre la garde. Il nous faut un plan. Pas le temps de réfléchir, il faut agir. Ils parviennent à se faufiler jusqu'à l'épée. Mais le monstre les remarque et commence à leur courir après. Tire! Tirons ensemble! Le pouvoir de l'amitié a fonctionné. Ils ont attrapé l'épée et ont couru. Désolé, monstre! On a réussi! On a eu l'épée! Top là! Wouah! Gros Mina le chat à Titi. Fais un petit oiseau en pâte polymère. Des griffes jaunes, un long corps et une grosse tête. Plonge les pieds dans de la peinture orange. Oh, Titi, on pensait que c'était toi. Bienvenue dans notre nouveau monde miniature. Bugs et Lola se préparent à partir en vacances. On a oublié quelque chose? Voici notre valise. Lola saute dessus. Mm-hmm. Lola, mets ta ceinture. Hé, les gars, attendez. On est venus vous dire au revoir. Oh, les mecs, c'est trop gentil. On a un cadeau pour vous. Bon voyage. Merci. La voiture démarre en trombe. Bugs, on s'arrête pour faire un pique-nique et ouvrir le cadeau. Ouah, c'est un mini Titi. Trop chou! Maintenant, il va venir en vacances avec nous. Tweet, tweet, je vole! J'adore nos potes. Bip, bip, voilà une balle. Oups, on a renversé des perles. Attention, mais Bip, bip esquive facilement. Peins une perle comme un ballon de basket. Dessine des rayures. Prêt à gagner le match? Tout le monde veut un burger McDo aujourd'hui. J'ai trop envie d'un gros burger en ce moment. Ça a l'air super! Yummy. Bugs Bunny passe la commande. Et voilà! Yes! Wouh, merci! Je peux enfin manger mon Happy Meal. Yum, j'adore les cheeseburgers! Où est mon jouet? Wouhou! Youpi, trop de chance! J'ai un ballon de basket. Bugs le remplit et... Voilà le ballon. Un garçon le saisit. Est-ce que c'est à toi? J'ai attrapé ta passe. Oh, t'es mon idole! J'adore le basket. Tu peux le garder. Yes! Maman! Bugs Bunny m'a donné ce ballon. Merci, t'es tellement gentil. Mon fils va être un athlète un jour. On peut prendre un selfie ensemble? Et un chien avec de vieilles perles. C'est facile. Maintenant, il faut le peindre. Waf waf. Titi et le chiot jouent ensemble. Titi remarque un vendeur de ballons. Oh, j'en veux un. Je peux en avoir un rose? Cette fille a décidé d'offrir un cadeau à l'oiseau. Mais il a commencé à s'envoler. Waouh, il y a un nid d'oiseau là-haut. Descends. Désolé, il te faut un ballon plus petit. Titi en a pris un petit. Thanks. Et il l'a tordu pour en faire un chien. Maintenant, ils peuvent continuer à jouer. Tout le monde connaît ces deux-là. Minnie et Mickey Mouse. Peins les figurines.
passe du rouge au noir. Il porte des chaussures jaunes. Laisse les gants blancs. Lola joue avec Minnie Mouse. Hello. Oh, j'avais Mickey quelque part. Mais où? Il était dans ce livre. Je l'ai trouvé. On va jouer ensemble. Lola et Bug jouent ensemble avec leur poupée en papier. Oh, Minnie, cette fleur est pour toi. Bugs offre une rose à Lola. Oh, c'est trop gentil.